L'action des enseignants pour la restauration de leur dignité, AERD, sortie des entrailles du MIT-D, a tenu son argent constitutive, le jeudi 14 avril 2022, à Adjamé. Sortie des entrailles du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIT-D, l'action des enseignants pour la restauration de leur dignité, AERD, a tenu son assemblée générale constitutive, le jeudi 14 avril 2022, à Adjamé, avec tous les secrétaires généraux de section démis de leurs fonctions par l'actuel secrétaire général national du MIT-D, Gnogé Bopol, par ailleurs PCA de la MIUGFSI. Kwaku Kwame Jonas, le tout premier secrétaire général national au cours de cette rencontre, Kwaku Kwame Jonas a été élu, avec 90% des voix exprimées, à la tête de cette jeune structure dont l'objectif est de défendre les intérêts de ses membres. Il avait pour adversaires Zoé Hubert et Adjé Mianjan. Cette structure va regrouper toutes les forces vives du secteur éducation-formation, a-t-il indiqué le secrétaire général national Kwaku Kwame Jonas, rappelant que le secteur éducation-formation comprend les instituteurs, les éducateurs, les économes, les conseillers, pédagogiques, extrascolaires, cantines, les professeurs de lycées et collèges, les inspecteurs. Le secrétaire de séance, Béda Frédéric Chikipo, a fait savoir que cette initiative fait suite à la situation qui a prévalu au MIT-D à l'occasion des élections comptant pour le renouvellement des instances dirigeantes de la MIUGFSI. Plusieurs secrétaires généraux et des membres actifs ont été démis par le SG Gnogé Bopol. Du coup, ils se sont retrouvés sans appartenance syndicale. Après plusieurs réflexions, nous avons décidé de créer notre syndicat pour défendre nos droits et nos intérêts, nous n'avons pas été précomptés par le MIT-D au mois de mars. Du coup, nous sommes sans appartenance syndicale. On avait le choix d'aller ailleurs, rejoindre d'autres structures syndicales de la place. Mais après plusieurs réflexions, nous avons décidé de créer notre syndicat pour défendre nos droits et nos intérêts, a-t-il expliqué. Restaurer la dignité bafouée de l'enseignant. Selon les organisateurs de cette assemblée générale, l'AERD vient restaurer la dignité bafouée de l'enseignant, telle que condensée dans le sigle du nouveau syndicat dont le slogan est « plus solidaire, plus fort ». Lire aussi MIT-D, des militants mécontents ne reconnaissent plus Gnogé Bopol comme secrétaire général national et annoncent des actions. Faut-il le souligner, cette assemblée générale a réuni tous les secrétaires généraux suspendus du district d'Abidjan et ceux de l'intérieur du pays, des conseillers, des économes, ainsi que des militants du MIT-D suspendus par l'actuelle équipe dirigée par Gnogé Bopol. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.